Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez. Mettez des cœurs, partagez le direct, invitez vos frères et sœurs à venir recevoir la grâce de Dieu ce matin. Nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons passer un petit moment de prière, de grâce, de dévotion ce matin, en ce jour de sabbat. Que l'Éternel puisse nous apporter sa grâce, son pardon, et que les bénédictions de l'Éternel ne cessent de couler dans notre vie. Tu vas d'abord répéter après moi, ô Éternel, me voici devant ta face, recherchant ta grâce et ton pardon. Daigne me laver, me purifier avec le sang de l'agneau. Nettoie mon âme, nettoie mon esprit. Permets, ô Père, que l'agile que je suis, que le pécheur que je suis, soit purifié, sanctifié, agréable à toi. Nul ne peut te voir et vivre car tu es saint. Nul ne peut voir la lumière et vivre car c'est le reflet de la lumière que nous voyons. Nous ne sentons que ta grâce, Seigneur, et cela nous suffit. Bénis ma vie, ô Éternel. Bénis mon âme, ô Éternel. Et entends mes cris dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ah ah ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi à ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde plus. Psaume 71. Partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez, partagez. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, qu'il soit confus. Anéantis ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi,
J'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur, éternel. Je rappellerai ta justice, la sienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Et je te louerai au son de lutte. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec l'arabe saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma paix sont honteux et confus. Béni soit le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit encore béni en ce jour. Nous allons lire un dernier psaume. Nous allons lire le psaume 23 que vous connaissez tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés, que les grâces qui se trouvent dans ces psaumes s'appliquent à ta vie. Que les grâces qui se trouve dans ces psaumes, s'applique à ta vie. Que l'Éternel te renouvelle, que sa grâce soit sur ta vie et que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit donné. Qu'aujourd'hui même, l'Éternel accomplisse de nouvelles choses dans ta vie. Bien-aimé, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce. Que la puissance de Dieu t'environne. Que le Saint-Esprit t'inonde. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur répande sa grâce dans la vie d'une personne qui est en train de m'entendre. Je prie ce matin que quelque chose de nouveau et d'excellent commence dans la vie d'une personne. Je voudrais bénir cette journée pour toi. Que cette journée t'apporte grâce. Que cette journée soit en accord avec la bénédiction que tu recherches au plus profond de ton cœur.
que cette journée soit une journée remplie de bienfaits, de bénédictions. Bien-aimé, je suis là ce matin pour te bénir. Que la bénédiction te reconnaisse. Que la bénédiction te respecte. Que la bénédiction soit ton meilleur compagnon. L'Éternel a béni Abraham. L'Éternel a béni Abraham. Et cette bénédiction l'a accompagné en toutes choses. Cette bénédiction l'a élevé. Alléluia. J'aimerais qu'une personne tende sa main vers moi, si elle peut. Si elle ne peut pas, qu'elle répète simplement après moi. Et qu'elle dise, Seigneur, me voici. Répète une deuxième fois, Seigneur, me voici. Répète une troisième fois, Seigneur, me voici. Et dis avec moi, je suis le candidat de cette bénédiction. Je suis le candidat de l'élévation. Je suis le candidat de la prospérité. Je suis le candidat de l'abondance. Dis ce matin, ma vie est remplie de miracles. Dis ce matin, ma vie est remplie de miracles. Dis ce matin, ma vie est remplie de miracles. Répète après moi toujours, dis, dès mon réveil, mon odeur devient une bénédiction. Dès mon réveil, la bénédiction m'environne. Dis, je marche et je vis dans la grâce. Dis, je m'endors dans la grâce. Dis, je me réveille dans la grâce et la bénédiction. Mabro kosharabra. Je sens ce matin que le Seigneur est en train de répandre une rosée fraîche sur la vie de certaines personnes. Je vais dire à une personne, le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur a oublié tes nombreux péchés. Tu es en train de te culpabiliser. Tu es en train de te dire, je ne suis pas bon. Je ne suis pas saine. C'est à cause de mes péchés que je souffre. C'est parce que je ne suis pas bien que je souffre. Laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur ne te permet pas de dire ce genre de choses sur ta vie. Dieu te connaît. Quand il t'a créé, il connaissait tes qualités. Il connaissait tes défauts. Il savait quand tu allais tomber. Il savait quand tu allais te relever. Il savait toutes les étapes que tu es en train de traverser. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ne te culpabilise plus. Parce que la culpabilité devient un fardeau pour toi. Tu t'accroches trop au passé. Et tu dis, si je savais. Et ce « si je savais » que tu répètes tous les jours est en train de te tuer, est en train de t'alourdir.
Le si je savais que tu es toujours en train de répéter, sache que dès le jour, le premier jour, le seul instant que tu as pensé dans ton cœur et que tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur avait déjà entendu. Ne laisse pas Satan te culpabiliser. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Écoute-moi, la première personne qui est rentrée dans le paradis avec Jésus, qui est montée au ciel avec Jésus, était un brigand. Sois en paix. Écoute-moi très bien. Lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à Jéricho, c'est une prostituée nommée Rahab qui les a sauvés, qui a sauvé les espions. Et cette prostituée est l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, va lire le psaume 51. Il est en train de se repentir. David a commis un péché atroce d'adultère. Et il a même tué le mari de cette femme pour garder la femme. Mais c'est de cette femme qu'est né Salomon. C'est de cette femme pécheresse adultérienne qu'est née la gloire, qu'est née la richesse, qu'est né Salomon, l'héritier de David. Et cette femme est la grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur n'est pas venu chercher des personnes saintes. Il n'y en a pas. Il n'est pas venu chercher des personnes pures. Il n'y en a pas. Mais il est venu chercher des pécheurs. Il sait qui ils sont pour les purifier, pour les laver, pour les sanctifier et les rendre agréables à Dieu. Le jour où tu chutais, le Seigneur savait déjà que tu allais chuter. Le jour où tu tombais, le Seigneur savait déjà. Le jour où tu as commencé à avoir tes problèmes, c'était déjà vu. Mais il a prévu un plan de pardon pour toi. Il a prévu un plan de sanctification pour toi. Et il a prévu un plan pour que tu te relèves. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui est en train de te charger? Pourquoi tu te culpabilises tout le temps? Pourquoi est-ce que tu es en train de dire, c'est à cause des péchés de mon père que je souffre? Mais ça fait 10 ans que tu dis ça. Pourquoi tu dis ça à cause des péchés de ma mère que je souffre? Mais ça fait 5 ans que tu dis ça. Pourquoi tu es tout le temps, chaque année, à chaque fois, en train de dire c'est à cause des péchés de mes ancêtres que je souffre? Crois-tu que depuis ce temps, Dieu ne t'a pas pardonné? Dieu n'a pas brisé le lien du péché de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. Et que Dieu, jusqu'à présent, est aveugle depuis le jour que tu t'es confié à lui. Il n'a rien fait. Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu es en train de dire, c'est parce que je suis né dans tel village que je ne réussis pas. C'est parce que je suis né sur cette terre. C'est parce que j'avais tel ami. C'est parce que j'avais fait ceci. Le Seigneur a transformé des brigands, des assassins, des sorciers, des mystiques. L'apôtre Paul qui persécutait l'église est devenu le plus grand des apôtres. Le brigand sur la croix est monté au ciel
La dame adultérienne a été pardonnée. Et le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Satan aime nous culpabiliser. Il aime te faire croire que tu n'es rien. Pour te dominer, il te fait croire que tu ne peux rien, tu n'es rien, tu ne réussiras pas. Tu as le désir dans ton cœur de faire de bonnes choses pour réussir, mais il y a une voix qui te dit que ce n'est pas possible. Toi, tu vas réussir. Toi, tu vas avancer. Toi, comme ça. Tu ne te rappelles pas que ton papa était ceci. Tu ne te rappelles pas que ta maman était. Tu ne te rappelles pas qu'en telle année, tu avais fait ça. Tu ne te rappelles même pas que ceci. Même avant-hier, qu'est-ce que tu avais fait? Mais il aime ça. Il te rabaisse par la culpabilité. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, il y avait un moyen de purification qui existe encore aujourd'hui chez les Juifs. Il y avait une manière de se laver pour se purifier. Juste se laver pour se purifier. Il y avait aussi des sacrifices expiatoires. On prenait un animal, on mettait la main là-dessus. Le sacrificateur tuait l'animal. Quand le sang de l'animal verse, c'est comme si c'était cette personne qui mourait. Et l'animal meurt à la place de la personne, c'était un sacrifice. Et il y avait une manière de se laver avec de l'hyssope, avec des parfums, des choses et de l'eau pure. Bon, quelqu'un qui péchait, qui partait se laver et puis il dit il est pur. Mais toi, tu as le sang de Jésus. Tu as l'eau pour te laver. Tu as la parole. Le voile a été déchiré. Tu n'as plus besoin du sacrificateur pour parler à Dieu. Mais tu es tout le temps en train de t'apitoyer. Si je ne réussis pas, c'est parce que. Si je ne réussis pas, laisse-moi les parce que. Laisse-moi les parce que. Aujourd'hui, je veux changer ta mentalité ce matin, à cette dévotion matinale. Oublie le passé. Lève-toi et dis, je ne suis pas le seul pécheur de cette terre. Je ne suis pas la personne la plus maudite de cette terre. Moi aussi. Moi aussi, sans voler, sans escroquer, sans mentir, mon Dieu me fera réussir. Dis, je vais dans la victoire. Prononce des paroles de victoire. Vois-toi grand dans ton esprit. Vois-toi béni dans ta pensée, dans ton esprit. Ce que tu veux de bon pour toi, vois-le en toi. Il est écrit, aimez vos prochains comme vous-même. Et j'ai l'habitude de dire que tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne te donnes pas de la valeur à toi-même. Tu ne te considères pas toi-même. Tu n'as pas de l'amour pour toi-même. Et puis tu dis que tu aimes ton prochain. Mais c'est faux. Archi faux. Tu dois t'aimer. Tu dois aimer la personne que tu es. Quand tu es dans la douche, il faut t'apprécier. Devant ton miroir, il faut t'apprécier. Quand tu t'habilles, il faut t'apprécier. Il faut t'aimer. Il faut te donner toi-même de la valeur. Il faut considérer ta valeur. Valorise-toi. Et après, tu aimes ton prochain comme tu t'es aimé. Mais si tu ne t'aimes pas, quel amour toi tu donnes à ton prochain? C'est un semblant d'amour. Aime ton prochain comme toi-même. N'oublie pas le toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. De la manière que tu t'es aimé là, c'est comme ça que tu dois aimer ton prochain. Mais si tu ne t'es pas aimé, tu vas aller aimer qui? Tu ne t'es pas considéré, tu vas aller considérer qui? Oh my God. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, mais qui aiment les autres d'après eux. Et qui veut que les autres les aiment. Oh my God. Donne-toi de la valeur. Dis-toi dans ta tête
n'y a personne de mieux que toi. Dis-toi dans ta tête, c'est toi l'excellence. Même si quelqu'un a eu le trophée, dis-toi que son trophée n'est rien, que ton trophée surpassera et surpasse son trophée. Même si tu as entendu que quelqu'un a été milliardaire à côté de toi, que ça ne te dérange pas. Dis-toi que tu es au-dessus de lui. Pense positif. Pense positif. Ne te vois jamais inférieur. Même si dans la société où tu es, c'est toi qui balaye, vois-toi au-dessus du directeur, dans ton esprit. Même si tu es le chauffeur, dans ta tête, ne te crois jamais, ne te prends jamais pour une poubelle. Même si tu es le gardien de la résidence, considère-toi au-dessus de tous ceux qui rentrent dans cette résidence. Donne-toi de la valeur. Quand tu marches, dis « je suis excellent, je suis béni, je suis prospère ». Même quand il n'y a rien dans ta poche, dis « je suis riche ». My God, my God, my God, my God. Même quand tu n'as rien dans ta poche, tu sais, moi je bloque un marabout ici. Voilà. Même quand tu n'as rien dans ta poche, dis je suis riche, je suis prospère, je suis élevé. Refuse que Satan, le diable ou des personnes manipulent ta pensée pour te faire croire que toi tu es né pour être seulement accusé, pour ne pas réussir. Que ce matin, le Seigneur te donne une grâce de la poubelle que tu manges à la table des rois, de la poussière, que tu sois envahi d'or. My God, lo caraba sanebre, ikabro kamafo shakabayo, de la pauvreté, que tu deviennes riche et prospère. Que la maladie qui te fatiguait, qui est en train de finir ton argent, disparaisse de ta vie. Que la peur, l'angoisse, les pensées de suicide disparaissent de ton âme. Que tout esprit de mari de nuit qui vole tes bénédictions soit confondu, calciné, chassé à l'instant même, au nom de Jésus. Que tout esprit de femme de nuit qui vole tes grâces soit paralysé. Je combats ce matin tout esprit des eaux qui trouble ta vie, au nom de Jésus. Je combats tout esprit de la forêt, que tout espion dans ton âme, tout espion dans ta vie soit dévoilé, confondu. Je prie que l'Éternel se rappelle de toi. Je prie que l'Éternel entre chez toi pour souper avec toi de la manière qu'il est rentré chez Zaché. Malgré les jugements, que l'Éternel rentre chez toi, qu'il soupe avec toi, de la même manière qu'il est rentré chez Zaché. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ton rocher. L'Éternel est ton réconfort. L'Éternel est ta muraille. L'Éternel est ton pouvoir. Je prie que ton vêtement spirituel qui était sale et perforé, déchiré, soit remplacé ce matin par un vêtement de gloire, cousu avec des fils d'or, un vêtement rempli de grâce. Je prie
Que tes mains qui étaient percées soient maintenant soudées, cicatrisées par la force de Dieu. Que l'argent ne se perde plus dans ta main. Que tes grâces ne soient plus éparpillées. Oh, Saint-Esprit, c'est le moment de bénir tes enfants. Oh, Esprit de Dieu, viens agir dans leur vie. C'est le moment. Hey, Kabara, Saint-Esprit, hey, Kabara, je sens ta présence. Inobro ko sharabra ko sinalaba. Zonko to prikaba o shedeba o kema labasi. Alléluia. Alléluia. Makusaka tabrekoshi. Jérémie chapitre 4. Le verset 1 dit. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui. Et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Bien-aimé, ce qui m'intéresse ici, c'est que l'Éternel dit, il te pose des conditions et dit, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations, si tu ôtes tes craintes, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est l'invitation que Dieu lance. C'est Dieu qui vient vers toi ce matin et il te propose quelque chose. Il te dit, mon enfant, je sais ce que tu traverses. Je connais tes erreurs, tes défauts, tes péchés. Je connais tes angoisses, tes craintes, tout ce que tu vis, je le vois. Mais, si, le si veut dire, tu as un pas à faire. Le si veut dire que Dieu ne t'oblige pas. Pour ton changement, Dieu ne va pas t'obliger. Pour ta bénédiction, Dieu ne va pas t'obliger. Pour ce que tu recherches, Dieu ne va pas te forcer à l'avoir. Il dit, si, il y a un si, il y a un pas que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Il y a quelque chose que tu dois mettre de côté. Il y a quelque chose que tu dois oublier. Il y a une décision que tu dois prendre. Tu dois faire quelque chose. Il dit si tu reviens. Si, que ceci t'interpelle ce matin. Rentre en toi et dis, Seigneur, que dois-je faire? Tu m'as dit si, mais ceci, pour moi, c'est quoi? Est-ce que je dois changer ma vie de prière? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne faisais pas bien que je dois changer? Est-ce que, pose-lui la question. Le Seigneur va t'orienter. Je prie ce matin que vous soyez bénis. Je voulais passer un petit moment avec vous. Je voudrais que ce matin, la grâce que Dieu me fait vous soit partagée. Il dit, donnez, il vous sera donné. Je vous donne la bénédiction. Je vous donne l'élévation. Je vous donne tout ce que Dieu me donne. Je prends une part et je déverse sur vous aujourd'hui. Que l'onction,
Je dis que l'onction. Je dis que l'onction. Je répète que l'onction. Oh my God. Je sens sa présence. Que l'onction. Que l'onction. Que l'onction. Que l'onction te touche là où tu es. Sois touché par la puissance de Jésus-Christ ce matin. Sois touché par la force de Jésus-Christ ce matin. Oh my God. C'est Karabashéke. Sois touché. Il y a quelque chose que l'Esprit est en train de faire en ce moment dans ta vie. Est-ce que tu ressens? Sois touché. Je suis en train de voir des gens sous l'onction. Il y a une femme qui est en train de bouger dans tous les sens. Le jour que je vais dire direct des témoignages, il va avoir des témoignages. Je sens qu'une onction est forte. Il y a quelqu'un qui est dans sa voiture qui va garer la voiture. Il va se garer parce qu'il ne peut plus conduire. L'onction est en train de le fatiguer en ce moment. Je libère ce matin même la puissance de Dieu. Je libère l'onction de Dieu par l'autorité de ma voix. Je condamne tout esprit de sécheresse, tout esprit de blocage, toute entité négative et mauvaise. Je rentre dans la forêt, je ferme la porte de la destruction, je rentre dans la mer, je ferme la porte de la destruction, je parle à la terre, je ferme la porte de la destruction, je parle au ciel, je ferme la porte de la destruction, je commande au vent de multiplier la grâce et de l'éparpiller, de le multiplier dans vos vies au nom de Jésus. Je libère l'onction, je libère l'onction, je libère l'onction. Sois touché là où tu es, sois touché là où tu es. Reçois encore, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Oh Père, je te rends toute la gloire. Et je te remercie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ce nouveau départ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai déclaré cette journée bénie au nom de Jésus. Veuillez partager encore ce direct pour tous vos frères et sœurs. Veuillez partager pour ceux qui n'ont pas pu assister dans vos groupes par Messenger. Je prophétise que tous ceux qui vont tomber sur ce direct soient aussi bénis. En ce moment, je ne fais pas trop d'actions prophétiques sur Facebook, mais j'ai un groupe WhatsApp. Les privilégiés du Bishop Melchisedec. Et nous sommes en train de finaliser la chaîne de télé et le site. Et bientôt, nous allons faire des choses. Nous allons même faire des zooms avec certaines personnes pour les actions prophétiques. Les choses saintes, on ne les balance pas comme ça. Alors, je ne fais plus trop d'actions prophétiques sur Facebook. J'ai lancé un appel. Tous ceux qui devraient participer, excusez-moi, je vais mettre en silencieux. Quelqu'un essaie de m'appeler. Tous ceux qui participent pour la chaîne de télé, j'ai lancé un appel de 50 euros comme action prophétique. Mais prendre du sable ou de la terre, du sel et de l'huile. C'est pas obligé que l'huile soit une bouteille en quantité. On peut verser un peu d'huile dans une bouteille, une petite bouteille, c'est pas grave. Le sel, ça peut être du sel normal comme du sel gros grain. Alors nous, on ne parle pas de sel d'Israël parce que sel, c'est du sel. C'est la mer qui produit le sel, c'est la terre qui produit le sel. Le sel, c'est du sel. Et le sel représente le feu spirituellement. Alors, la terre, même si c'est la poussière, notre corps a été fait de la poussière. Nous venons de la terre. Il me faut aussi de la terre. Trois éléments. Terre, sel, huile d'olive. Et tu appelles la secrétaire si tu veux passer. Cette action, elle est spéciale pour ceux qui participent pour notre chaîne de télé. On est vers la fin. On a besoin un peu de soutien. Ceux qui participent, il y a d'autres qui l'ont déjà fait, qui ont déjà reçu les grâces, les bénédictions, on prie déjà pour eux. Ceux qui ont déjà fait, s'ils veulent le refaire, ils peuvent.
et ceux qui ne l'ont pas fait, qui veulent participer, peuvent le faire. Nos directs sur la chaîne de télé sont les mercredis 21h, vendredi 21h, dimanche 15h. Donc, ça c'est le nouveau programme. Nous aurons aussi des moments de Zoom et ça, on vous le dira. Mais pendant ce temps, de temps en temps, je vous fais des dévotions matinales. Je ne vous dis pas que c'est tous les matins. Et puis, on peut aussi avoir des moments de partage, des moments où vous pouvez appeler pour vos témoignages, pour des sujets de prière. Mais il faut que je finisse avec la chaîne d'abord pour pouvoir bien me disposer pour ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. C'est pourquoi je me suis apprêté, après ma propre prière, pour prier pour vous. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci pour ceux qui me soutiennent dans la prière. Merci pour ceux qui ont déjà jeûné pour moi. Merci pour ceux qui me soutiennent aussi financièrement, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui croient en mon onction et qui me bénissent. Que Dieu vous bénisse en retour, qu'il multiplie tout ce que vous faites dans ma vie et qu'il continue à ouvrir des grandes portes pour vous. À chaque fois que vous sèmez une goutte dans ma vie, que Dieu multiplie ça 7 fois 77 fois dans votre vie, pour vous et vos enfants. Que la bénédiction soit sur votre vie. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Passez un très bon sabbat, un très bon week-end, et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, au revoir.